Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous montre la plantation de Batchenga. Nous sommes sur une superficie de 1 hectare et demi. On va implanter le poivre. Bien évidemment, comme je vous montre souvent les vidéos, vous allez suivre avec une séquence de les travaux qui seront effectués ici là. Et si on commence, on va planter d'abord les tuteurs. Quand les tuteurs vont prendre, ensuite on va venir mettre les poivres. Comme nous allons faire à Tonga, et comme nous sommes en faire à Loum. Ça c'est, vous allez voir l'avancement progressif, n'est-ce pas, de la plantation à temps réel. Ici, qu'est-ce qu'on fait? Vous savez qu'en utilisant les machines, en mécanisant la culture, ça devient plus facile. Quand je parle de cash flow, mon partenaire va dégager au début un certain capital qui peut quitter la situation si elle n'a pas fait un business plan, si elle n'a pas fait son budget flexible. Mais si elle avait fait son budget flexible, là, tout est normal. Maintenant, l'entreprise affirmative va seulement venir réaliser seulement son chantier sans problème. Et elle ne sera pas stressée sur le long terme, étant donné qu'elle sait qu'elle sera rentrée financièrement dans cette transaction à partir de 3 ans. C'est ça le jeu, c'est ça le game. Bon, maintenant donc, ça va permettre à ce que, au début, elle va dégager d'abord un peu de capital. Et après, maintenant, elle aura un autre investissement. Le cash flow, donc, elle va d'abord dépenser de l'argent. Après, elle aura l'argent même quand elle dort. C'est ça le business. Et c'est ça le business de l'agriculture. Ne cherchez pas à avoir l'argent rapidement. Ne cherchez pas à faire beaucoup aussi, si vous n'avez pas les possibilités, les compétences, le bon personnel. Parce que dans le business, il y a vraiment du mot de tête. Vous n'êtes pas très fort. Les employés vous abusent, les partenaires, les techniciens. Il y a beaucoup de mots de tête. Il faut vraiment faire plus attention. Vous sélectionnez son équipe, sélectionnez les gens avec qui vous voulez travailler, vous voulez faire. Et ensuite, maintenant, vous implantez. Après ça, vous avez toutes les conditions réunies. Vous allez réussir. Et si vous avez à commencer, comment il y a à produire, c'est fini. Quand on creuse un peu, on attend de voir de l'eau. Quand l'eau coule à flot, les amis, c'est fini. Il n'y a plus de problème. C'est ça qu'on va faire ici, les amis. Vous allez voir. On va tout faire pour que le partenaire ait satisfaction garantie. C'est ça aussi la particularité de la formation. Elle a satisfaction garantie de son projet. Là, elle peut dormir tranquillement. Rien ne se passe. Vous voyez, rien ne se passe. Elle n'a pas à subir le stress personnel, des scieurs, des techniciens, tout ça. Affirmature porte ça sur son dos, les amis. Merci, vous voyez la vidéo. Comme je disais tantôt, les amis, voilà la plantation, le planting qui est en train de s'effectuer. Et celui en charge, c'est monsieur Noir. Si vous connaissez monsieur Noir, les amis, bon, c'est avec lui que nous allons travailler, parce que vous savez, on dit qu'il faut travailler avec quelqu'un qui a déjà eu à reçu dans un domaine pour que ça devienne plus facile. C'est ça le technicien du terrain, les amis. C'est lui que nous avons retenu pour le planting de ces 1 hectare et demi ici à Batchenga, les amis. Et il nous a donné 3 jours pour terminer le planting. Donc nous sommes là aussi pour voir si les conditions, toutes les conditions sont réunies pour effectuer le travail, quoi. C'est pourquoi vous voyez comment le plantier devient de plus en plus facile, non? Avec les machines et aussi notre partenaire a labouré le sol, les amis. Vous voyez qu'elle a mis les macabres, elle a labouré le sol pour permettre à aux racines de mieux circuler facilement. Ça va donner aussi, ça va permettre au poivrier de mieux se développer. Bon, pour ceux qui n'ont pas les moyens, mes amis, pour ceux qui n'ont pas les moyens, nous ne sommes pas obligés de faire ça. Enfin, ça demande beaucoup d'argent. C'est pas évident. Donc nous sommes déjà au planting déjà, comme ça. Il y a des tours à rafter, les tours sont à creuser. On lance le planting. Ça devient facile quand on utilise les machines. Et en même temps, il faut faire attention pour ne pas trop enfoncer les tuteurs.
sinon ça risque pourri en bas. Voyez comment comment s'organiser nos amis. Ça va faire que en 3 jours effectivement nous allons terminer le planting de notre 1 hectare de mix. Vous voyez comment c'est sur les lignes. Parce que quand les poivres sont sur les lignes comme ça, c'est très bien. Très très bien. Voilà. Je pense que c'est la courte vidéo de démonstration pour le planting de tuteur. La courte vidéo de démonstration. Parce que, comme je dis, quand vous avez les machines, ça va évidemment chercher. Ça devient facile. Et ça devient aussi efficace, parce que même pas seulement facile, mais efficace, parce que la manière dont la machine cause le tout, c'est très bien pour. On a notre ami là, notre dame, elle est là pour s'assurer que vraiment le ravitaillement se passe très bien. Vous voyez qu'avec ceci, comment est-ce que le planting ne peut pas se faire en 3 jours? Effectivement, ça peut se faire en 3 jours. Si en moins de 5 secondes, en 3 secondes, on peut faire un trou, les amis. Et c'est pas un trou, c'est pas n'importe comment, pas n'importe quel trou. C'est un trou bien fait. Vous voyez, c'est un trou bien fait. Le tuteur va être confortablement logé là-bas. Pendant son cycle de vie de 100 ans. C'est normal. Et puis, M. Noalu est derrière pour planter, pour s'assurer vraiment que le planting se passe très bien. Et je pense que c'est. Avec cet allure-là, tout est organisé, tout est prédestiné à la réussite. Donc, ce qu'on va dire, c'est que vous allez suivre l'évolution de ces 1,5 hectare ici. Au bout de 3 ans, et on aura un champ de poivre à Batchenga. Et des variétés super chargées. Parce que bientôt vous allez voir les plaques. Hein. Parce qu'on va mettre les plaques. Pour montrer que c'est la formature qui était là. Bon. Si vous avez des questions, comme d'habitude. Sur ce, je vous souhaite un excellent fête de travail pour tous ceux qui sont les maillons de l'économie. Et une autre vidéo.